Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes Haïti Fresh'em, gros coup de chapeau pour nous toutes. Nous comptons, une fois encore, rejoindre sur Channel Polan, TAC 509, tout Haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, on a continué pour tes informations pour vous, on a continué à brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. En Haïti, tant qu'aux États-Unis, dans le moment, il y a un pile débat politique qui a fait. En Haïti, par rapport avec la situation gang, dernier sorti, Jimmy Cherizier alias Barbecue, côté Negak Zamyo, yo revendiqué place yo pour l'autre fois encore dans le pouvoir de l'État. Et États-Unis, nous gagnons tentative assassinat qui fait sous ancien président américain Donald Trump. Et gagnons pile réaction et c'est à travers tout le monde là, et bien nouvelle ça, li choqué en pile monde. Gagnons pour certains qui disent que ça crivait Donald Trump là, yo mette théorie complot sous table. Mais yon l'autre bon, nous même kap gade et situation avec yon yeux qui est extrêmement délicat, nous wè pa gen aucun pays qui pa gen faille. Tout pays gagne faille, tout système gagne faille. Et ça qui est beaucoup plus important, c'est comment pouvoir l'État à répondre. C'est qui rapidité, c'est qui efficacité et les urgences li présenter. C'est qui réaction moun qui sous pouvoir moun kap gérer l'état yo gagne. Et hier nous pral comprendre États-Unis et n'a gagne pour nous faire parallèle avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et bien ça prouve nous États-Unis et pas infaillible, États-Unis gagne faille pali dans situation pali. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche notification. Nous pral parler pays, nous pral faire débat et nous pral exposer plusieurs points, plusieurs éléments extrêmement importants sur divers points qui extrêmement brûlants dans l'actualité. Déjà, faut moi dire où, dans ce qui concerne Haïti, moi voulais nous clair sur un grain de bagaille. C'est que Haïti, pays noir, pays chéri noir, nous besoin d'un véritable projet révolutionnaire. Nous besoin d'un projet révolutionnaire. Et là, on a parlé d'un projet révolutionnaire. Nous voyons un changement de vision, nous voyons un changement de mentalité. Est-ce que depuis qu'on a parlé de révolution, il n'est pas forcément synonyme de violence? Est-ce qu'il y a une révolution tranquille? Est-ce qu'il y a une révolution qui fait en douceur? Est-ce que la révolution n'est pas toujours dure, pas toujours brutale, puisque le changement qu'il a, ordre établi, c'est lui-même nous vient briser, c'est lui-même nous vient fracasser pour nous instaurer une nouvelle forme l'État, de nouvelles idées pour permettre que pays nous avance, pays nous aller sur rail développement, sur rail progrès, sur rail stabilité. Pour gagner ancien sénateur Guy Philippe. Et Guy Philippe, dans la prochaine semaine, qu'a gagné pour venir là, Guy Philippe là pour retourner dans l'actualité. Et fois ça, et ceci pour de très bonnes raisons. Raison si la yo, compatriote Haïti Fresh'em, nous pral gagner pour nous poser et plusieurs questions, gagner plusieurs enjeux qui pral face avec Guy Philippe, qui pral extrêmement important pour nous soulever yo. Mais ça qui est extrêmement intéressant, c'est que journée jodi an, Jean bataille politique la fête là, Jean entourage premier ministre Garry Conille a élevé, a monté là. Li extrêmement important pour nous même cap garder, pour nous même cap suivre politique, cap faire politique en dedans pays, pour nous comprendre, eh bien, gagner plusieurs paramètres qui pral exposer devant ancien sénateur Guy Philippe. Est-ce que Guy Philippe li pral considérer timing yo pour lui même pour l'avancer? Est-ce que Guy Philippe pral considérer et enjeu yo et avancer malgré tout pour bien-être collectif là, pour permettre haïtien yo rentrer dans yo même et n'importe gens ça y est pour font bataille véritable pour craser système là qui ça bagaille là pour. Hier Jimmy Cherizier alias Barbecue, pas besoin retourner sur vidéo Barbecue parce que ça c'est viral. Nous pral ba ou en résumé. Barbecue hier il fait en vidéo côté que li a adressé pour yon l'autre fois encore avec premier ministre Garry Conille avec conseil présidentiel transition. Côté Barbecue t'es très malin. Malin. Pour le reconnaître que bataille négatif yo t'a mené depuis mois février, c'est lui-même en quelque sorte qui aboutit à mettre et conseil présidentiel transition à camper
et également permettre à ce que un nouveau gouvernement de dans pays. Alors que même États-Unis, même corps groupe, même BINU, même international, yo te campé pour yo te dit Ariel Henry, Ariel c'était le dernier transition. Moun kap genye pour venir diriger l'État, effectivement, yo supposé sortir dans l'élection. Et ça, je l'admets, m'baye babé tout plus ça, parce que li rappelé effectivement, qui position internationale l'ante genye par rapport avec Ariel Henry. Et jounen jodi, qui sa véritablement qui accouche conseil présidentiel transition, ça nous relè couramment et CPT ou bien gen moun qui relè le crée. Bref, li important pour nous comprendre. Jounen jodi, coalition nèg ak zam yo viv ansanm yo ap réclamé ce qui leur est dû, yo ap réclamé paiement yo, c'est pas kou nèg yo ap réclamé paiement yo, yo fin fon travail, yo fin fon job, paye m l'argent, kale m l'argent sans manquer un goud, sans manquer un yota la dan. C'est comme si c'est ça à travers sorti barbecue, c'est comme si c'est ça nous ouais que nèg yo véritablement yo deye. Ki sa barbecue li même li mande? Barbecue, nèg ak zam yo yo kontinye a mande négociation, yo kontinye a mande PM Gary Koni, conseil présidentiel la on chita pale, pou yo ka rétabli la paix ak sécurité en dedans pays. OK. Nou konn paramètre ça déjà. Barbecue ale pi loin parce que nèg ak zam yo estime genye de série de rat do kale nan politique. Qui voulait vendre tête comme intermédiaire, comme moun qui voulait faciliter dialogue, comme moun qui voulait prendre ou dialogue, qui voulait dialoguer dans non vivre ensemble sous base que yo voulait la paix tout en dedans pays. Donc barbecue li dénoncer moun sa yo qui voulait prendre ou libre sous dialogue que le mandé, sous dialogue que li chita parler que le mandé pouvoir l'état. Mais barbecue aller loin. Compatriote haïtien frère, chame gon angi sou roche gon bagay ki pa normal. Et quand ti moun nouye, nou pral comprendre. Barbecue reconnaît non premier temps, c'est bataille nèg ak zam yo et barbecue dil et geneg c'est nèg ak zam yo ki blessé. C'est nèg ak zam yo ki victime. C'est madame bandi yo perdi mari yo. C'est petite bandi yo perdi papa yo. C'est petite c'est bandi yo ki c'est petite bandi yo ki perdi maman, papa perdu et cetera et cetera. Parce que c'est nèg ak zam yo qui t'a fait bataille là pour déchouquer Ariel, pour mettre Ariel dans campi loin. Et ça je l'admets, nèg ak zam yo véritablement, yo fait tout ça yo connaît, yo tout kembe Ariel Henry de yo. C'est pas ni manifestation Moïse Jean-Charles, c'est pas ni manifestation Claude Joseph, c'est pas ni mobilisation Guy Philippe à l'époque, c'est pas ça yo t'a mettre Ariel dans campi loin. Mais c'est plutôt nèg ak zam yo qui profite de ta imminent pour une raison ou pour une autre, qui tout kembe Ariel nan kampe loin. Donc, jounen jodi, nèg sa yo, qui mette Ariel nan kampe loin, qui sa te empêche yo pran pouvoir, selon ou même? Sou gen yon réponse, partage l'en commentaire. Qui sa ki te empêche que même nèg sa yo, qui gen zam nan me yo, qui te bloke airport, qui ta tire sou aéroport, qui te empêche avion atterri, qui te kembe payant en otage pendant près de 2 mois, qui saccage Port-au-Prince, qui krasé l'hôpital général, qui krasé, qui tire sur aéroport, qui krasé commissariat, sous-commissariat, qui krasé pénitencier national, mette prisonnier dans la rue, qui mette Port-au-Prince, capital pays à feu et à cendre, qui ça qui te empêche yo, selon nous-mêmes véritablement, prend contrôle par les nationales. Alors que tout paramètre yo te réuni, tout bagay yo te devant nèg yo pour yo just rentrer dans palais national. C'est pas capable, yo pas capable rentrer dans palais national. Si c'est pour Arsenal, nèg yo gen zam nan men yo. Izo te gen drone ni sous tête palais ak te contrôle tout bagay. Policier USGPN t'a mandé renfort parce que à un certain moment bataille était tellement raide pour yo, nèg yo pas capable. Donc quelque part bandi yo nèg ak zam yo de février. Pour février, mars, avril, si nèg yo véritablement yo té le prend contrôle par les national, pa kwè LB té ka empêcher yo fèl.
Parce que nous t'es ouais, nous t'es conscient, nous t'es témoin que elle véritablement elle pas de aucune volonté pour combattre nèg examyo, pour repousser nèg examyo, pour mettre sécurité, rétablir la paix en dedans pays jusqu'à ce qu'elle ait démissionné. Maintenant, compatriote haïtien fraîche. Qui ça qui poussait journée aujourd'hui, même nèg sa yo qui bataille, qui kembe Ariel de yo, qui poussait Ariel démissionner parce que Ariel a tort ou a raison, bagalante chou Ariel pas ka retourner. Qui ça qui empêchait, qui ça qui poussait journée aujourd'hui que nèg sa yo qui te gen accès pour yo prendre pouvoir, contrôler pouvoir, pour journée aujourd'hui c'est dialogue pour yo mandé. Pour journée aujourd'hui c'est comme si c'est moun qui rete à terre attendre que gouvernement la geti miette, la geti morceau bagay ba yo bot table qui attendent pour gon négociation, qui attendent pour gon dialogue qui fait. Pour qui ça c'est voir ça, yo prend, pour qui ça c'est chimer ça, yo prend. Véritablement. Le fait que nèg exam yo pas arrivé installer tête, yo pas arrivé rentrer dans palais national, mettez gouvernement pa yo camper, mettez pouvoir pa yo camper. C'est parce que nous connaissons véritablement qui est-ce qui est en prison sous question politique en Haïti. Qui est véritablement cap contrôler pouvoir en Haïti? Qui est cap contrôler décision politique en Haïti? Donc kounya, si véritablement Conseil présidentiel transition, nous tout acceptons, nous tout d'accord, c'est États-Unis par le biais de la CARICOM qui accouche elle. Nous d'accord. Présence Gary Conny en dedans pays comme premier ministre, c'est États-Unis qui voye, c'est États-Unis qui la gueule là-bas, nous. Donc, li pas difficile pour nous comprendre que le fait pour nèg exam yo pas arrivé contrôlé par les nationales, c'est tout simplement même États-Unis ça, yo pas de bénédiction, yo pas de autorisation. Autrement dit, journée jodi an là, pas t'ab gen débat, pas t'ab gen débat sous dialogue que nèg exam mandé, pas t'ab gen débat sous dialogue que barbecue attend et pour premier ministre Gary Conny conseil présidentiel transition et accepter avec nèg exam, yo pas t'ab gen débat sous ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire compatriote haïtien franchement. Moment arrivé pour nous comprendre que si pas gagné une véritable révolution pour craser système ça, pour camper contre système ça, pour mettre à l'écart influence politique que États-Unis a tout respect corps groupe gagné sur Haïti 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après et même 50 ans après, Haïti a toujours sous emprise pays impérialiste. Haïti a toujours sous emprise États-Unis. Et ça qui est la stabilité en Haïti, on ne parle jamais qu'on elle. Parce que c'est politique qui mène le pays, c'est politique qui fait le pays, c'est politique qui change les citoyens et concitoyens. Donc, si vous n'avez pas contrôlé les politiques, qui marche de manœuvre pour gagner pour changer le pays? Sou pa ka kontrole politik ou pa ka pren les grandes décisions politiques pour peuple pour citoyen pour concitoyen qui marche de manœuvre ou pral gagner pour venir avec de grands projets pour mettre pays sou rail développement pour mettre pays sou rail progrès pour mettre pays sou rail stabilité. On veut prendre un petit temps pour réfléchir. On veut prendre un petit temps pour rentrer dans nan problème nan fond problème nan. Et nous pral réaliser véritablement. C'est pas dit nous voulons faire révolution, n'a faire révolution, mais faut bon projet de révolution. Faut bon projet de révolution qui accouche. Et le projet de révolution ça fin accouché. Véritablement, on pral connait qui est-ce qui chef de file révolution. Qui côté nous paraît pour nous arriver à la révolution? Qui sacrifice nous prêt pour nous faire pour révolution, pour l'atterrir, pour l'aboutir? Et qui mesure nous prêts pour nous prendre contre toute traite, contre toute conze, contre toute machine pays, contre tout monde qui veut mettre barricade ou qui veut camper tête en barricade, en obstacle devant projet révolution. Parce que jusqu'à date, nous avons parlé de révolution, nous avons organisé manifestation, nous avons fait sitting, mais projet révolution, véritablement, peuple a pas connaît. Peuple la poko genyel, peuple la pa konn ki sa pou yo attendre, peuple la pa konn ki yes véritablement ki nan équipe sa. Et c'est ça journée jodi an nou relé,
C'est ça journée aujourd'hui nous besoin et c'est peut-être seul moyen ça. Chef de file leader. Moun qui veut mener révolution ka gagner pour le booster pour le mettre. Reste moun qui indécis, reste moun qui poko croit, reste moun qui poko est confiant yo. Pour le montrer que véritablement mais qui côté nous est, mais qui ça nous gagner et mais qui côté nous aller avec pays. Mais après ça et compatriotes haïtiens frères chums avec équipe qui sous pouvoir là avec bataille politique qui gagne là avec marchandage politique qui gagne là pas rien qui sûr pour Haïti pas rien qui sûr pour avenir pays d'Haïti conseil présidentiel transition yo pral courir sous 3 mois premier ministre Gary Cognac équipe li yo pral courir sous 2 mois. Est-ce que n'a pas prendre 3 mois chita garder faire promesse encore? Est-ce que n'a pas prendre l'autre 3 mois encore chita des bras croisés à tendre la main, à tendre force multinationale vienne mettre sécurité alors que Kenya yo militants policiers Kenya yo pral gagner très bientôt yon mois là. Yo pral gagner yon mois là 25 juillet a cap gagner pour venir la pral faire un mois qui opération qui mené. Dans qui base yo rentré? Qui route principale yo débloqué? Au contraire, kidnapping n'a augmenté. Donc nous pas ka mettre sécurité pays nous sous bonne volonté quiconque. Et dans ce sens, compatriotes haïtiens frères chums, nous gagné président Burkina Faso Ibrahim Traoré qui lui-même li pa jam suspend voyer des signaux clairs. Il pas jamais suspendre voyer des signaux clairs et gon ti dicton la kay nou qui dit qui tout nous toujours aimer dit gamou yo toujours aimer dit mettre point ramasser point. Il pas jamais suspendre voyer des signaux pour tout l'autre pays sous planète Terre là qui peut-être a subi même oppression pays occidentaux yo. Qui a subi même zak agression que un paquet de pays qui relait tête yo pays riche. A fait soi-disant sou paquet le pays yore les pays pauvres mais c'est même pays pauvres a yo qui créé richesse pa yo c'est même pays pauvres a yo qui permet yo gen richesse que yo rien et présenter tête yo comme des pays riches non sans ça nous gagné deux vidéos nous pral partager avec vous première vidéo a et capitaine Ibrahim Traoré pral ba nous détail sous qui ça impérialisme nan yé? C'est quoi l'impérialisme? Comment nèg yo entend yo? Pour yo approuvi des séries de pays yo les pays pauvres, ben sans pays pauvres ça yo pas ta pays riche. Ça dit bien oui moun yo. Des pays yo les pays pauvres, mais sans pays pauvres ça yo pas ta des pays riches. On pral comprendre pour qui ça. Nous pral connaître tout qui raison c'est de l'intérieur que ensemble de pays occidentaux a craser un paquet l'autre nation qui est sur utiliser qui formule yo appliquer et comment nous-mêmes qui voulons changer pays nous-mêmes qui voulons retirer pied oppresseur yo sous cou nous qui ça nous ka fait comment nous ka faire pour qui raison qui motif qui ça doit motivation nous journée jodi an qui ça doit motivation m'pa franchement yon moun yon image yon individu yon figure révolutionnaire tant que Ibrahim Traoré. Yo figure révolutionnaire tant que Ibrahim Traoré compatriote haïtien français. Nous ta supposé gagner des cellules et de réflexion et surtout et dans équipe Guy Philippe qui a prôné révolution. Yo ta supposé véritablement chercher des couloirs pour nous chita parler pour nous propager idée révolutionnaire ça yo. Parce que journée aujourd'hui si nous pas prendre responsabilité nous comme haïtien non seulement pour nous véhiculer idée révolutionnaire pour nous partager au lieu de nous partager des séries de bagages qui véritablement pas utile société à rien que nous prenons temps nous pour nous instruire moun yo véritablement rentrer dans crâne d'être idée révolutionnaire là mais qui ça nous doit faire mais comment nous ca faire etc etc c'est ça yo et là nous faire yo nèg yo fâché tout bon nèg yo paniqué compatriotes haïtiens frères chums nous pral regarder ensemble avec moi et vidéo aussi là. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes.
Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. C'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif. C'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde. C'est eux qui ont droit à toutes les richesses. C'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde. C'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi, pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages. Nous n'avons rien de comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes et c'est eux, le peuple. Ils s'arrogent tous les droits. Et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois de produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort, parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé, et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendre comme étant leur propriété. Ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procède-t-il? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos états, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien,
si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux, tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leurs rangs. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation bat son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Tendez bien, là, on fait un petit copé. Trois notions sans yo, n'attendez souvent. Et en Haïti, c'est yo qui parle. Démocratie, liberté, droit de l'homme. C'est ça yo pays impérialiste le plus rapide et le plus souvent yo utilisé. Presque, faut que principe démocratique yo respecté. Faut que liberté individuelle, faut que nous libre, etc. Faut que liberté à respecter. Faut que droit moun respecté. C'est ça yo utilisé. Est-ce que en Haïti c'est pas pratique là? Est-ce que en Haïti chaque jour bon Dieu mette, c'est pas ça yo nous tendez? C'est pas ça yo utilisé? Yo utilisé l'œil bon pour yo, yo utilisé le contre nous-mêmes, yo utilisé l'œil ou vle l'œil hôpitaux. On va. Bien sûr. Leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque
osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat. Et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes. Voilà. Compatriotes haïtiens fraîchem, nous sommes attendus Ibrahim Traoré qui lui-même lui a parlé. Il est extrêmement important. Et m'te juge bon pour m'te partager avec nos vidéos aussi là, extrait et dans l'intervention liant. Pour la simple bonne raison, nous, c'est un monde qui a une détermination. Ibrahim Traoré, je ne dis pas, l'a parlé de lui, c'est l'image même de la révolution sur le continent africain. Parce que le campé, il kembe tête avec la France, il kembe tête avec les pays occidentaux, parce que je ne dis pas, après nèg yo fin réduit Burkina Faso, yo fin réduit Mali, yo fin réduit Niger, mette yo plonge yo nan plus instabilité, plonge yo nan plus misère, c'est même yo même encore son forme ou bien l'autre, yo dou gen insécurité alimentaire, yo a débarqué avec aide humanitaire. Yo a porté débarqué avec camion diri là, débarqué avec sinistré là porté ba moun yo. C'est même yo même qui contribuait. C'est même eux-mêmes qui tapent baï j'arrête avec des séries de gouvernements très contestés, qui favorisent l'insécurité, qui favorisent groupe armé, création groupe gang, et puis eux-mêmes encore, ils viennent un bon sauveur, ils viennent avec mission multinationale, ils viennent avec mission de maintien de la paix, etc. Ça qui a passé, non, ça qui a passé dans Burkina Faso, ça qui a passé au Mali, au Niger, ça qui a passé dans Tchad, je ne veux dire pas différent de ça, nous-mêmes, nous vivons en Haïti. Li pas différent, mais qui ça? Seule différence qui gagne, c'est que gen moun qui décide yo même. Yo campé, yo di bagay, yo pa ka continuer comme ça. Yo pas seulement dit, mais yo pose action pour yo montrer véritablement fort bon aller mieux qui fait. Là n'a pas de Ibrahim Traoré. C'est pas essayer, pas essayer bal coup d'état, attaquer, l'assassiner, etc. non? Mais étant donné li konnen li la li bay tèt li objectif li gon mission pour le faire li anticiper li renforcer l'état prendre des dispositions tout ça gouvernement pouvoir té là avant pas de vle faire parce que pays occidentaux la France pas de vle faire etc. et Royaume-Uni pas de vle faire etc. Eh bien li même li vini li fait exactement ça le cap bon pour pays. Qui bagay ou pas de cas dans relation diplomatique avec la Russie, ou pas de cas dans chita parler avec la Chine, etc. Li monte sous pouvoir, li achete zam nan men la Russie, li an pou parler avec la Chine, li achete, etc. Li fait ça ka bon pou pays, li pas fait ça ka bon pou groupe moun, li fait ça ka bon pou peuple. Et c'est ça nous besoin, je ne j'en dis. Comment on comprend des séries de pays, Abdou, pays ou la pauvre? OK, pays pauvre, pas de problème. Mais koum dou rete nan limite ou pas rentrer bouche dans affaire pays ou parer pour déstabiliser ou parer pour faire pour créer guerre civile ou parer pour payer bandi etc. etc. Eh bien pays pas pauvre. Pays pas pauvre, mais c'est ça yo. C'est problème ça yo Ibrahim Traoré, li pose. L'œil vin comprendre réalité, li di bagay yo va continuer comme ça. Comment faire?
Au Burkina Faso, yo a fait fouille, yo a puisé dans sous-sol yo, yo a puisé dans minerai yo, yo a prend bagay en bataille yo, al dans l'autre pays, permettre que la France gagne courant, permettre que le Canada fonctionne gagne courant etc. L'arrivé Burkina Faso, gagne des séries de villages qui dans blackout. Ou rivé au Mali, gagne des séries de villages, gagne des séries de villes qui dans blackout, qui dans fait noir. Et puis qui côté grand pays ça yo vin a puiser vin a exploiter c'est la caille nous pays après le pays pauvre yo pays après le pays et sous-développé yo pays ceci pays c'est là-bas yo donc faut gonde clic faut gon projet pour nous remédier à situation ne pas qu'à continuer comme ça est-ce que nous est différence ça est-ce que nous est différence différence c'est venir avec un projet de révolution, yon projet qui viable, yon projet côté que peuple ka embrasser, peuple ka solidariser, peuple ka porter renfort. Burkina Faso, Ibrahim Traoré, il besoin acheter des armes dans des séries de leur pays. Puisque gen des séries de pays occidentaux qui yo même pour yo assembler des armes nan, gen des pays yo gen licence pour des séries de l'autre bagaille qui constitue les armes que Burkina Faso mande acheter a yo mette interdiction pour yo pas vendre Burkina Faso armes. Eh bien l'el vin comprendre son jouet coquin son jouet mesdames yo a fait avec li prend toute disposition gen des séries de pays pour yo faire assemblage armes nan ki côté pays ça yo a exploiter des séries de minerais a exploiter des séries de métal c'est au Burkina Faso. Si par exemple, le Canada achète un ZAM, Canada dit qu'il ne peut pas vendre un ZAM parce que il y a une interdiction. Alors que même le Canada, ça, qui côté le vin a puisé des éléments qui constituent les ZAM, c'est Haïti. C'est dans le pays, non, eh bien. On peut couper les licences, on peut couper les licences, on peut mettre une interdiction sur les licences, on ne peut pas exploiter encore. Eh bien, le Burkina Faso, le Ibrahim Traoré, il prend un jet coquin, un jet mesdames, il prend disposition contre même tout. Donc c'est ça nous besoin. Nous besoin moun ki gen caractère, moun ki ka bataille, moun ki wè pays, moun ki gen projet pour pays d'Haïti. Moun ki gen vision pour pays d'Haïti. Compatriotes haïtiens frèchèm, n'avanse. Nous gen yon vidéo extrêmement important, nous pral partager avec vous puisque et toujours un mendil vérité pas jamais cachée. Vérité al ka prend des années, des mois, des jours mais le pour le dévoiler, à la dévoiler quand même. Mais avant de rentrer dans le dossier Jovenel Moïse, puisque le problème est venu pire pour Moïse Jean-Charles, des séries de monde qui étaient proches de Moïse Jean-Charles, qui ont même, je ne dis pas là, ou une nécessité et pour mettre Moïse Jean-Charles tout ouni, et parce que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Jovenel Moïse, yo assassiné Jovenel Moïse dans des conditions et dans des conditions barbares, parce que pour un président, crabine, il crase zol comme ça. Ça va être terrible. Non, atroce douleur. Oui, Jovenel Moïse, yo touyel. Donc, il y a des gens qui ont regret parce que yo te participé avec Moïse Jean-Charles pendant 4 ans dans le détruit Jovenel Moïse. Yo ont regret. Yo ont confessé ses péchés. Yo. Nous prenons gagner détail, nous prenons attendre. Mais nous prenons font tirer aller sous et président Donald Trump. Président Donald Trump et matin, il réagit côté que il dit pas gagner camper, pas gagner camper, yo ka fait toute bagarre pour faire le peur, pas gagner camper. Hier samedi 13 juillet, c'était dernier meeting et Donald Trump et dans Pennsylvanie avant que et comment il y a les bagages ça et pas congrès non et avant que convention républicaine et li fête li tamen demain lundi en demain 15 juillet a bien gros convention républicaine depuis ces républicains yé et yo attend nous pour vinn débattre vision républicain yo gagné pour États-Unis pour 5 prochaines années. Donc, hier, Donald Trump a clôturé le meeting et puis demain, véritablement, pour le travail républicain a commencé. Et puis, il a subi une tentative d'assassinat. Premier bagage que vous voulez nous comprendre, c'est que les États-Unis sont pays hautement capitaliste. Nous avons un mot, c'est un nouveau mot qui décrit gens et entrepreneurs, gens businessmen, ou bien gens pays États-Unis sont pays et qui capitalistes, qui avalent l'argent
et mot ça nous mettre connait c'est américain qui a créé mot ça pour décrit avidité que yo gagne. Ça me nous comprendre c'est que États-Unis journée jodi an que le démocrate que le républicain faut qu'yo poser problématique zam nan. Zam États-Unis sont bagay qui légal. Son bagay ki légal, n'importe moun ka gen zam, n'importe moun ka et procure on zam États-Unis tout ça. Mais nous vinn wè danger que zam nan li fè. Si n'ale sous moteur de recherche, tape et tuerie de masse aux États-Unis etc. On pour chaque jour quantité moun ki mouri en babal, quantité moun ki mouri ak zam etc. Parce que entreprise qui a fait zam aux États-Unis, moun qui investit gros l'argent dans question armement aux États-Unis, c'est eux même véritablement qui sont censés mener pays. Et c'est ça que fait nous toujours chaque coup pour gagner débat pour reconsidérer question acheter armes, question port d'armes aux États-Unis, bah ils a fait gros scandale. Bagay ça quand même chaviron président. Bagay ça même quand empêcher et on président accéder au pouvoir parce que son dossier qui est extrêmement sensible. Et si n'a regardé ces mêmes zame, qui manquait où était la vie Donald Trump. Donc là, faut que poser problème zame dans tout bon aux États-Unis. Ça li extrêmement important. Mais qui ça voulait nous comprendre? Hier, Donald Trump li manquait mourir, il manquait assassiner Donald Trump. Ça montrait que système américain n'est pas infaillible. Et service secret américain, soit aux États-Unis, police et toute unité, tout groupe d'intervention, ça montre que il y a des failles quand même. CIA, FBI et Homeland Security, ça montre qu'il y a des failles. Parce que si vous avez temps qu'on est attaqué là, vous avez anticipé, ça pas privé là. Le fait que les produits, ça montre qu'il y a une faille. Mais vous n'avez pas arrêté. Yo parete a plein sous ça, yo gon fay, Donald Trump manke mouye, etc. Yo réagi. Et réagi, yo réagi, a compatriote Haïtien Frèchèm. Nou ti tan ki pa tro long, yo gen tan jwen tueur, la yo gen tan jwen tireur, la yo gen tan jwen moun ki tire sous président, yo gen tan jwen kayl, yo gen tan jwen tout information sous identité li, groupe ke li appartenu, etc. etc. Yo ap continue enquête. Yo a continué enquêter, donc ça prouve qui ça? Ça prouve gen yon groupe qui réactif, gon groupe qui là pour yo réagir, gen moun qui là pour porter solution. Mais ça pas empêcher tout, gen moun qui dou c'est théorie complot. Mais moun sa yo qui dit c'est théorie complot, peut-être seule façon pour yo pour le pas ton complot, c'est peut-être si Donald Trump te quitte Paul. C'est peut-être seule façon de confirmer son attaque véritable que États-Unis pas infaillible, que système américain pas infaillible. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui fait toujours important. Et sous Jovenel Moïse, dans la première tentative coup d'État Jovenel Moïse, et il y a des gens qui te disent, je ne sais pas si passé là, ou quoi ça, son véritable coup d'État, son véritable coup d'État nèg yo t'a préparé etc. Mais nous pas konnen motif yo, nous pas konnen véritablement et qui ça yo t'a préparé, qui ça yo t'a gen dans tête yo, qui l'autre démarche que yo t'a fait après. Et nous vinn wè que après un petit temps yo assassiné Jovenel Moïse. Mais différence qui gen entre États-Unis avec Haïti, 3 ans depuis assassiné président Jovenel Moïse, justice nous a traîné. Nous pas gen justice, nous pas gen un système de sécurité en Haïti. Est-ce que nous comprenons? Bon, dossier Donald Trump, dossier États-Unis, n'a fermé, n'a quitté là. Et n'a avancé, compatriote Haïtien Frèchèm, mais pas gè kanpe. N'a continué à partager information. Bon, dans ce moment-là, il y a un dossier extrêmement important. C'est dossier assassinat président Jovenel Moïse, dossier regret, et dossier Moïse Jean-Charles. Et on va regarder, attendez, ensemble avec moi. Et confession. On nous a le temps des confessions citoyennes, non? Bon, même si on vient de dire que nous regrettons de gourmets contre Jovenel Moïse. Et si vous avez mangé kem chaque jour, c'est le président Jovenel Moïse que moi, je gourmets, mène toute manifestation au cap pour nous jeter Jovenel Moïse. Mais quand tu vends Jovenel Moïse, on vous diable. Quand tu fais pour prendre Jovenel Moïse, c'était le diable en personne.
Mais c'est non, non, moi, Jovenel Moïse, moi réalisé qui grand homme, qui était Jovenel Moïse. Et c'est parce que Jovenel Moïse n'a pas dit une cellule de communication qui vous dévonne toute action que Jovenel Moïse a fait. Il a fallu un arabe pour montrer tout haïtien tout ça que Jovenel Moïse a fait. Et je dis, pour y faire parallélisme, ça, c'est pour capable de presque regret la bataille que je fais pour m'aider Ariel Henry. Pour capable de dire là. Monsieur, je ne pas courir pour me jeter Ariel Henry pour moi, ça qu'a fait là. Je ne pour me contre Ariel Henry pour me renverser ce système là. Parce que Ariel Henry était tout le système là que j'ai. Mais je dis à la monde qui l'a, ils n'ont pas tout le système, c'est esclave système. Non. Papa, t'es comment dit, c'est esclave système. Non. C'est retirer bien, mettez bien. Moun qui pis mal, c'est le peuple. Monsieur, Alidja, Wanan, disait non, monsieur. Alidja, il y a trois gros bureaux. Il y a un prince, un Saint-Domingue, il y a un Cap-Haïtien, oui. Alidja, il y a une école professionnelle depuis 15 ans, oui. Alidja, il y a une seule annexe qui a existé dans la ville Cap-Haïtien, c'est lui-même, oui. Madame, je vous dis, vous êtes un des gros campés, vous m'avez mené 100 000 personnes derrière, 150 000 derrière la manifestation. Tout le monde est campé pour m'empêcher de bandits dans la ville Cap-Haïtienne. Pourquoi ça? Parce que je dis, ouais, misère, peuple là. Je dis, ouais, grand goût, peuple là. Je dis, ouais, peuple là, pas à manger. Au cap, je dis, 4 ans, je ne vais pas consacrer l'électricité, je ne vais pas consacrer les courants, même. 4 ans, c'est pour un âge, l'âge singe, l'âge des bières, c'est la moitié. Je dis là, nous te coumé pour ça, tu vois, Ariel Henry te monte Gaza, t'es dans 55 dollars, tu te monte Gaza 130 combien dollars. Mais après 3 mois, Gaza va jamais descendre. Pour ça, Negio, pas descendre Gaza. Pour ça, Garifoni et Contro, pas descendre Gaza. Pour ça, que le papa est courant dans la ville Cap-Haïtienne. Pour ça, manger, tuer l'huile pour pas descendre. Pour ça, faire l'huile d'olive pas descendre. Pour ça, boîte tête, boîte sucre pas descendre. Pour ça, spaghetti, tuer pour l'huile pas descendre. Depuis 3 mois, si nous avons posé un pion, nous avons posé un bel pion. Bertilère, président Bertilère. Président Bertilère. Où est-ce qu'il a? Alidja. Sous là. Je suis là. En partie. Il y a des gens qui ont dit que les gens n'arrivent pas à cajeter Ariel. C'est vrai, les gens n'arrivent pas à cajeter Ariel. Je ne vais pas cajeter Ariel seulement. Je ne vais pas cajeter Ariel. Je démonte votre office. Si c'est vrai, je ne vais pas cajeter Ariel. Parce que même te monter 7 février pour me jeter Ariel par tous les moyens possibles. Mais malheureusement, ça fait mal. Moi, c'était un groupe de sable qui est tombé et qui t'a assassiné. Bon Dieu, fait que peut-être que je batte mourir. Les côtés combattants, des combattants. Et moi, c'est un chapeau pour qu'on coupe le sable. Et moi, c'est un chapeau pour qu'on ait deux sables actuellement là qui font un gros travail à travers le pays. Monsieur, je fais ça bio. À vos ordres, nous saluons. Mais je dis à la, l'en garde moi pour pouvoir séparer Montana Joël. Vision joine, FDP joine, OPS joine, Laval joine, Construction joine, même les qui diabolent, c'est même les qui n'ont pas pouvoir Garifoni. Et ça fait plus mal. Le sénateur, l'honorable sénateur, le docteur Moïse Chauchal, le docteur Moïse Chauchal, un homme que j'ai aimé, un homme que j'ai combattu. Pour lui. Et ça fait même la peine. Je dis à la, mon sénateur, Jean-Charles Moïse, qui a fait tous les bagailles. Mais le sénateur Moïse, il a encouragé tout le monde à camper devant l'ambassade. Malgré garde, nous avons pris un coup de balle. Je dis à la, Jean-Charles Moïse, a serré la main avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Je me suis demandé, qui coule qui donc ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Bertilère, ressaisis-vous. Et là, vous ressaisis-vous là. C'est parce que dans le jour où je là, et moi, je vais frapper. Ali Jack va le frapper. Et maintenant, je prends nous, je vais le frapper. Et moi, je vais frapper, puis là, fort. C'est pas seulement qu'on va le frapper, non, mais je vais tirer. Je vais annoncer ça déjà. Parce que moi, des autres territoires qui commencent à faire, des délégués déjà vu pouvoir, des gens, c'est promotion, c'est pour ça. Et si monsieur qui est au mieux, et si monsieur qui prend pas le et si monsieur, vous mettez dans la prison jusqu'à présent pour que je ne calague, je vais demander libération pour vous à travers la manifestation. Vous êtes là, vous allez me visiter.
Et si monsieur Kesto t'a pris la rue contre Ariel, t'a dit à Ariel, 5h du matin, 6h du matin, téléphone m'a sonné. Alidia, qui vient du pouvoir. Alidia, frappez la rue. Alidia, ceci. Alidia, c'est là. Je dis à la, tout téléphone, bébé. Mettez les mounio, parce que vous va connaître tout téléphone, bébé. Puis à soucier. Puis à manger sous ton peuple là. Pour tout le monde qui est tombé, vous tombez pour détoucher vous. Tout militant qui est tombé, vous tombez pour détoucher vous. C'est famille qui est perdue. Petit qui est perdue. Et je dis à la, vous gardez nous. Ça qui a fait là, nous voyons ça qui va arriver dans le jour là. N'est-ce qui est tombé? Monsieur qui est tombé, qui a vu accompagné, nous allons mettre le matin. Dernière manifestation, ma café, donc, et ouais, moi, j'ai dit ça. N'est-ce que tu es là avec moi, je n'ai pas fait une job. N'est-ce que tu es là avec moi, je t'ai tiré sur moi. Même si j'ai tiré sur moi, je t'ai pris gaz, je tiré, je prends balle, ça prend balle dans le pied, ça prend balle dans le cou, ça prend balle dans la tête. Monsieur ça, nous va dédommager, monsieur Tayo. Pour tenter mon argent là, monsieur n'a pas fait noir de respecter les militants. Parce que moi, papa, moi, je ne suis pas connu avec vous. Mal l'école, c'est classe. Vous êtes café. Mais vous n'avez pas de bonne opportunité pour ça. Parce que moi, je ne suis pas esclave. Je suis des esclaves qui là. Si ça ne pas changé. Même moi qui est là, c'est qui là. Vous avez LB, malgré tout LB, tout ça fait. LB fait promotion. Vous avez gang que je dis là. Pour gang, vous ça va. Vous pensez que, bon monsieur, vous pensez que yon gang va aller voter des âmes? Nous pensez yon gang qui a habitué torturer les mounes, yon gang qui a habitué pour les mounes, yon gang qui a habitué couper mes mounes, yon gang qui a habitué pour reste baleine, pour reste chasser, bouler dans tête mounes, pour les mounes, mounes sont criminels, les gens sont criminels, les gens sont fait noir, mounes ça pas de droit, jamais changer. Et le jour où il va mounes amnistie, le jour où le raser, ça va faire. Il y a pour Kakazam, pour t'en serrer. Et puis, ouais, deux, trois jours, d'où amnistie générale, et vous tenez insécurité, pirette. Insécurité, pirette. Rien ne se perd, rien ne se crée dans ce pays. Moi, je dis, tout le monde, ça, je dis à la, pas grand rien qui change. Tout le monde, c'est quoi bien fait. Mais 20 ans d'une élection, oui. 20 ans d'une élection. Moi, c'est là, je vois, qui est-ce qui a dit ça. Je ne peux pas dire rien, je ne peux pas dire rien. Je ne peux pas dire rien. Parce que l'aime pas bien, c'est tonnerre. L'aime pas bien, c'est du jamais vu. Je ne peux pas dire pour Gangou, je ne peux pas Gangou. Je ne peux pas pour rien. Je bataille pour le peuple. Je bataille pour ça qu'il n'y a pas manger. Je bataille, puisque film, pas film. Je veux dire, c'est pour ces malaria, pour dire qu'il y a des sons. Je veux dire, dans la rue, lundi, bois calé. Mardi, bois calé. Mercredi, bois calé. Je vais te manger, je vais te manger. Je me dis non, je ne peux pas dire au Cap-Haïtien. Je dis non, je ne peux pas dire au département nord. Je dis c'est vous, je dis comme ça que c'est vous, banquio. Bah, vous lâchez en américain. Et vous savez, je vais vous dire là. Je vais vous dire que c'est vous là. C'est vous dire qu'il y a des soit que tu as des sons, nous font des 7-8 mouns la Kali. Deux côtés de Tiri, pas capable de manger. Deux côtés de Pouah, pas capable de manger la Kali. Peuple, un grand coup. Pas grand rien changer. Les gars, pas rien. Les gars, pas venir avec un kin. Quoi, vous avez une structure. Pourquoi vous ne pas changer? Premier bagage qui arrive pour l'État supposé faire, c'est descendre gaz là. Deuxième bagage qui arrive pour l'État supposé faire, demandez pour qui ça directeur EDS qui n'a pas capable ici, depuis 4 ans, on ne peut pas jamais pour un. Pour qui ça que Simon fait col à compter? Pour qui ça que pour faire passeport, combien de cop? Pour payer au AVCT, combien de cop? Nous disons que vous devez faire l'argent Petro-Caribéa. Nous venons faire l'argent Petro-Caribéa. Nous avons besoin de vous tousser. Nous ne pouvons pas tousser sur tout le peuple là. Moi, je me tire un peu de là. Je me pète de fiel. Ça, c'est prénatier. À l'assaut, je me prends la bataille. Et je me prends le terrain. Avec toute l'équipe de l'arrière avec moi. Pour me déconner que si l'ex a eu, pour qu'ils sortent de l'arrière. Pour qu'ils sortent de l'arrière, c'est pour qu'ils sortent de l'arrière. Nous ne pouvons pas courir. Joue à là, joue à ma question. Nous allons faire le passé. Donc, ça, non, des soldats avec la gamme. Je me dis des soldats avec ça. Je me dis ça, je me dis. Moi, je me suis réfléchi. Et dans le camp, je ne suis pas réfléchi. Je ne peux pas passer. Ça c'est clair, ma qu'on n'a pas menti. Il t'en dème, livre le temps de temps, il va avoir tout. Il t'en dème, livre le temps de temps, il va avoir tout. Ça c'est comme ça qu'on a magie. Parce que moi-même, c'est politique ma paix. Politique pas gay, c'est l'église, c'est amen. Pas gay, pas gay comme ça. Politique pas gay, amen. Politique c'est give to give. Politique c'est un jeu d'intérêt. L'intérêt pour moi, l'intérêt pour le peuple, l'intérêt pour leader. Compatriote Haïtien Frèchem, causez yon en pile. Causez yon en pile, est-ce que nous, c'est ça politique là? C'est ça politique en Haïti, oui.
Je songe, ancien député Jerry Torgel, il a fait une déclaration. Il a dit politique en Haïti, ça se fait dans la boue et le sang. Il y a un peu de monde qui a dit à l'époque, mais où est-ce que la politique est dans la boue? Et dans la boue cochon, dans la boue senti, nèg ici te fait politique. C'est sous sang, nèg ici te fait politique. Mais pourquoi vous êtes rentré dans la politique? Et il te répond, il te dit que si vous voulez changer bagay yo, si vous voulez faire bouger ligne yo, faut qu'ou pas peur salmer, faut qu'ou pas peur rentrer dans la boue. Mais faudrait-il que l'on rentre dans la boue, c'est pour payer en véritablement, oui. Ah, ça c'est moi qui ajoute lui. Ha. Faudrait-il l'on rentre dans la boue sentiant? Faudrait-il l'on rentre dans l'arène, dans mitan lion yo? Faudrait-il que prenne toute disposition pour faire bouger ligne yo, oui? Pour changer un bagay, sinon c'est quoi on va faire, sinon c'est la remessie à terre. Donc, je ne dis pas, vous voulez nous comprendre. Nèg sa yo ka fè politique là, yo pa fè politique ni pour changer condition la vie moun, ni pour gon aller mieux, ni pour porter stabilité, ni pour porter on la vie meilleur. Yo a fait politique patri poche, yo a fait politique tis ami, yo a fait politique acolyte, etc. etc. C'est ça yo réglé. Gon information qui est extrêmement important pour nous partager avec vous, gagné 47e. Et réunion annuelle CARICOM a bien pu organiser 28 juillet jusqu'au 30 juillet. Et réunion ça, nous gagnons président conseil Edgar Leblanc fils qui a gagné probablement soit lié accompagné de PM non bien, soit lié aller ou bien le voyer premier ministre Garry Conille, c'est trois et options possibles, soit yo aller ensemble, soit premier ministre yo délégué premier ministre ou bien président Edgar Leblanc fils y aller côté que et Haïti pral gagner pour discuter sur ensemble et d'opportunités des séries opportunités fictives majeur moyo que CARICOM gagner pour offrir avec pays membre dans cadre 47e réunion et annuelle. Donc déjà là nous ka di gagner des dispositions qui commencent propre parce que c'est gros rencontre parce que pays CARICOM les CARICOM a réuni tout pays qui membre CARICOM yo supposé non seulement présent yo gen des représentants etc., mais tout gen des propositions qui ka fait malgré que yo pa jam pran proposition Haïti en considération non nous tande Haïti membre CARICOM haïtien pa jam bénéficie aucun avantage de CARICOM et moi franchement pa wè pour qui ça nous style rete nan baiza pa wè pour qui ça nous style rete nan brigandaiza jusqu'à ce que c'est eux même et sous hospice États-Unis qui choisit mettre camp au conseil présidentiel. Ouais, je vois si mon gars fait, je vois que j'étais. Donc, il y a un ensemble de préparatifs qu'a fait, même le premier ministre Garry Conille, lui-même, depuis semaine qui se passe, il temps les démarches et dans la question élection, il passe visiter ONI, qui c'est l'Office national d'identification, pour regarder les listes électorales, moun ki gen kòt identification nasyonal zan rele kat elektoral la et li rencontre avec akteur politik yo parti politik yo kote l diskute sou kesyon reforme konstitisyonèl sécurité élection donc gen des démarches grand chantier que conseil présidentiel transition yo même yo gen hein? Donc gen des démarches ki tan men pa bon côté et ki premier ministre Garry Conille la pour permettre à ce que et travail yo avancé. Compatriotes haïtiens franchement, c'est là n'a mettez en bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous te faire petit badou ça, pour nous te porter information pour vous même qui pourquoi abonner. N'a invité ou abonner, activer petit cloche de notification, rester connecté à channel là pour reste programmation. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures, de chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick, même voix.